Paul Québec, mon fils travaille dans l'Ouest, qui me dit, j'aime Paul Québec, y'a pas de bon job ici, qui me dit, j'aime Paul Québec, pis c'est bout à coup à mieux dans l'Ouest. Fait frais l'hiver, moi j'ai dit j'aime le Québec. Même si on se gèle les fesses, moi j'ai dit j'aime le Québec. Mes racines sont ici, moi j'ai dit j'aime le Québec. Je te jure qu'un jour on va la voir. Notre pays. Alain Tremblay, bonsoir. Alors on est à Nérac-les-Bains ici. Et toi, tu es Québécois, tu es en Ardèche, et explique-nous un peu comment ça se fait que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Je suis en Ardèche parce que j'ai rencontré une Ardéchoise à Montréal, où je chantais aussi dans des bars, des restaurants, et elle est venue me voir et elle a voulu me rencontrer. Et puis, ben, on est appris à se connaître, on est appris à s'aimer, et on s'est mariés, et on est installé en Ardèche depuis 6 ans maintenant. Ah, ça c'est fantastique, ça c'est fantastique. Et alors, donc, tu es chanteur? Et tu chantes des choses à toi, des choses, tu fais des reprises, tu chantes quoi? Je chante mes chansons à moi. Je suis québécois, 100% québécois. Ces forêts, ces rivières ont vu mes premiers pas. Plus des chansons connues du Québec, comme Robert Charlebois, Félix Leclerc, Gilles Vigneault. Et toujours ma Sophie, qui venait de partir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northeast, Eastern, Western, et Pan American, mais je sais plus où je suis. Une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans à la paix sur la terre. Les soldats seront trop badours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et des chansons aussi de Renaud, parce que je suis fan de Renaud. J'aime bien ce qu'il fait, donc je mélange un peu tout ça. Petit pas surgit sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette, s'est arrêté le long du trottoir. Il m'a regardé d'un air bête. T'as le même blue jean que James Dean? Ouais, t'arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss. Il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y dis. Oui, Renaud, je l'avais vu à la télé québécoise, moi, quand il avait fait une tournée au Québec. D'ailleurs, il y a des liens culturels entre le Québec et la France que moi, je trouve qu'ils se resserrent depuis quelque temps. Tu trouves ça aussi? Je dirais que c'est tant mieux si ça se passe comme ça, parce que moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un pont qui relie le Québec et la France. On imagine un grand pont qui traverse l'océan Atlantique pour qu'on puisse resserrer nos liens francophones. Ce serait un souhait que j'aimais, qui m'est cher, parce que les Québécois et les Français ont beaucoup de points communs, et j'aimerais bien qu'on accentue un peu les relations franco-québécoises. Ah ben moi, je suis tout à fait d'accord pour ça. J'ai dans la tête des musiques de là-bas, je suis Québécois. Alain, tu as fait un CD aussi, j'ai appris ça. Parle-moi un petit peu de ton CD. C'est mon premier album que j'ai enregistré en 2001 suite à un stage que j'ai fait chez Francis Cabrel. Ça s'appelle Les Rencontres d'Astaphore. Et c'est un CD qui s'appelle Acoustique, donc c'est des chansons
guitare-voix, avec des arrangements plutôt humbles, on va dire. Donc un peu de percussion, une deuxième guitare, c'est des arrangements minimalistes. Mais ça me correspond bien puisque je suis seul sur scène. D'accord, super. Aussi, je voudrais dire qu'il y a une chanson en hommage à l'Ardèche sur l'album qui s'appelle Ardecho, parce que je voudrais dire merci à mon pays d'adoption, l'Ardèche, avec cette chanson. Et un peu ardéchois, et d'abord québécois, je suis le québécois. De calice. Moi, je capote, là. Il est bon, le Québécois. C'est un Québéchois.